Et salut à tous, c'est Dead, on se retrouve dans Double Critique Play pour une rubrique Choc des Titans. Après l'affrontement chevalier contre bandit de la dernière fois, on va tenter autre chose. Et pour m'accompagner dans cette vidéo aujourd'hui, je suis avec Asako, salut. Salut, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Est-ce que je t'ai perdu déjà? Pardon? Non, ok, d'accord, on a dû avoir une petite coupure de connexion, c'est pas grave. Ouais, ça va, ça va. Ok, impeccable. Alors, pour vous situer, Asako, c'est je crois le plus gros collectionneur en Crossmaster que j'ai, dans les gens que je connais sur Crossmaster. Il faut savoir que sur Dofus, les gens font la quête des Dofus, bah des Dofus tout simplement. Lui, il a fait la quête des XXL et je crois que tu l'as rempli en plus. Il manque juste le Dark Vlad, sinon j'ai. Il manque le Dark Vlad, voilà. C'est un peu la dernière sortie, donc... La crasse, là, qui est sortie sur... que t'as cherché à avoir pendant un moment, d'ailleurs, il me semble. J'ai demandé à tout le monde au CDF, et personne, tout le monde le gardait, et voilà. Non, j'ai réussi à le choper. Alors, on va partir aujourd'hui sur un défi lié à... Si je clique pas sur le bon écran, forcément, ça ne marche pas. Sur la série Wakfu, qui est une série que toi aussi, tu aimes bien, il me semble. Hop, et donc on va partir sur le combat qu'on a pu voir dans le premier des trois OAV, à savoir Confrérie du Tofu contre Chevalier. Donc moi je vais jouer Confrérie, à peu près dans l'état dans lequel elle est dans cet épisode-là. Donc Evangeline, Hugo, Ruel, Tristepin, et toi donc Asako, tu vas nous jouer les Chevaliers. Dans quelle config du coup? Coup, bah Nuage, Flamme, Goutte et Feuille, voilà. Sans le Ténèbres. La version A4. Parce que c'est plus fidèle, je pense, au combat. On voit plus de monde. Alors, je lance le défi. Dis-moi si tu le reçois. Alors là, pour l'instant, non. J'y... C'est toujours un petit peu le suspense. Est-ce que le défi va passer? Ah, c'est bon. Voilà. J'ai reçu. Impeccable. Bah oui, parce que entre les pseudos qu'on utilise sur les forums, les comptes et compagnie, et les pseudos qu'on a un peu ailleurs, c'est toujours un peu le suspense de savoir si on va réussir à retrouver les gens. Bah dis donc, t'as un beau palmarès online quand même, hein. Ouais, ouais. Alors, et tu me disais tout à l'heure que toi, t'avais jamais joué chevalier par contre. Non, jamais. Ça m'a jamais trop intéressé, du coup, jamais joué. Alors, voilà, c'est... Voilà, je connais à peu près. Ruel, peut-être pas trop, parce que... Bah disons que Ruel Amalia, c'est un peu les deux qui sont toujours mis de côté. Je l'ai choisi Ruel parce que Amalia, elle est pas dans le combat de base, donc voilà. Mais j'ai une préférence pour Amalia normalement pour le soin du coup. Ouais, elle se soigne, c'est ça, ouais. C'est le seul intérêt, j'ai envie de dire, hein, mais Alors par contre, ça fait très longtemps que j'ai pas joué Confrérie, donc je risque de faire n'importe quoi et je sais même plus comment on joue Ruel. Ok. On va partir sur un truc comme ça. Comme ça, voire même comme ça. Ok. Ouais, c'est marrant parce que moi, chevalier, quand le jeu est sorti au tout début de Crossmaster, quand le premier site est arrivé, il y avait quelques visuels des figurines de la saison 1 à sortir. Je te parle de l'époque où il n'y avait que la boîte de base de sortie et Arthur Bean, tu vois, et les Funch. Donc, Gasparfait. Il y avait Gasparfait, exact, ouais. Il y avait vraiment pas grand chose de sorti. Et sur le site, quand on voyait que sur la première série de figurines, il y aurait les chevaliers, tous les potes avec qui j'en ai parlé, tout le monde s'était dit: ah, elles ont l'air trop cool ces figurines-là, j'ai envie de les jouer. Ouais, c'est clair que d'apparence, ils sont super cool, quoi. Ouais, elles ont un bon design et tout. Alors, hop, on va faire ça. Moi j'ai commencé juste après un petit peu. Je voyais déjà des photos du CDF hein, quand ça se déroulait. Tout. Mais moi j'ai commencé vers l'année 2012-2013. Bon, forcément j'étais trop jeune pour aller à Paris. Hein. Oui, bah c'est sûr qu'après le premier CDF en plus, le jeu était pas encore très connu donc. Ouais, et puis je pense que tout le monde joue à peu près Gultard, des trucs comme ça quoi. Vu qu'il y avait que la saison 1 qui était. Tout le monde jouait Gultard et puis. Je sais même plus avec quoi il l'a gagné Argel à l'époque. C'était pas une team. Non, c'était. Je sais même plus ce qu'il jouait Argel quand il a gagné le premier CDF. Donc c'est tout, ils étaient sortis. Hein. Oui, ouais.
Donc ouais, je sais pas, faudrait regarder. Bah, de mémoire, c'était Wes 4 qui était concurrent final, et Wes 4, je crois qu'il jouait déjà la Shrek. Bah non. Je sais même plus ce qui était sorti à l'époque du premier CDF. Non plus. Bah, Boultard, c'est sûr. Boultard, c'est sûr. Chlore était encore pas banni à l'époque, il me semble. Elle a dû sortir pas mal de fois. Dans le genre infâme. C'est clair, avec sa folle là. Des ravages, celle-là. Une figurine qui ne nous manque absolument pas en tournoi, hein, très clairement. Ouais, non, non. T'as abusé. Tiens, est-ce que t'as pu... Ouais, pardon. Ouais, Est-ce que t'as pu mettre la main sur la S4? Oui, je l'ai complété. T'en penses quoi? Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a certaines figurines qui ont l'air pas mal. Corbonne. Le maître Korbach. Korbach qui a l'air pas mal. Splinter ouais. Cell, pareil. La nonne, franchement, qu'elle est un peu. Pas mal, franchement, avec ses. Alors, moi, Stèles, hein, la nonne. Le fantôme. La nonne, ouais. Ouais, c'est l'Estelle, ça. Hein. Oui, l'Estelle, oui. Et après, il y a un moine que j'aime bien, parce qu'on avait fait un draft il y a pas longtemps avec des potes. J'avais eu Maître Korbach, j'avais eu un moine qui soignait en zone et qui donnait des PM en zone. Ouais. Donc ça, c'était cool. Franchement, ouais, c'était classe. Après, il y a certaines autres figurines. J'aime assez bien le principe des chasseurs, moi, qui en mourant file un bonus au copain derrière. C'est aussi, j'en avais aussi quelques-uns. Fantassin, c'est un peu une coagulée en fait. Et y en a aussi pas mal qui donne 2 points de vie au non-boss allié qui joue après lui. Et ça, c'est pas mal. Je crois que c'est le lancier, mais je suis pas sûr. Mais du coup, justement, on avait un truc quand on avait fait le draft. C'est-à-dire que le mec, il avait mis un chasseur en dernier. Et il croyait que ça revenait au début, le bonus. Ah c'est dommage, ça. Alors on lui a dit, bah non, ça revient pas au début. Enfin, normalement, ça revient pas au début. Pas encore de confirmation. Je vérifie que je me suis pas planté. Et je crois que ça passe pas. Ah, c'est trop juste. Dommage. Bon, bah écoute, au moins, elle est sur son perchoir, et bah, elle est contente. Alors, pour le coup, on voulait refaire la bataille de l'OAV qui est dans une... cave un peu sombre et glauque. On est sur le petit terrain champêtre. Ouais, ça fait pas trop wakfu. À ce niveau-là, c'est un peu dommage. Ça casse un peu l'idée de base. Mais bon, un petit Brakmar, ça aurait été bien, tu vois. Ou Frigost. Ouais, Frigost moins, quand même. Plus Brakmar. Bah, ça se passe à Frigost, techniquement, mais... Mais vu que c'est pas dehors, ça fait moins. Ouais. Juste le décor pendant le tournage, je pense. Hop. Alors. Toi, niveau porté. J'ai même pas regardé ce qui était tombé en RD, tiens. Bah, moi j'en ai acheté une. Alors, c'est pareil, j'ai même pas mis le journal. Alors, qu'est-ce que. Ah, bah oui, d'accord. Oui, bah oui, t'auras boost, oui. Tu m'étonnes. Que truc pas mal intéressant hein. Que je suis un peu multi-élément. Y a des trucs intéressants. Tu vois, j'aurais pris le ténèbre, bah la panneau bout sur la technique. Ouais. Puis en plus, là, je peux faire 2 attaques. 2 de base, il me semble. Ouais, c'est ça, t'aurais pu monter sur la deuxième attaque, ouais. C'est un peu ce qui est dommage sur le ténèbre, c'est que c'est compliqué de. Ce sera toujours moins fort que les 4 chevaliers, quoi. Si t'as pas le PA, ça sert à rien, quoi. Bon, pour l'instant, y'a rien qui me tente vraiment. On va attendre de pouvoir aller tataner. Alors. Cela dit, je pourrais acheter un truc avec Pimparant. Ça n'a pas grand intérêt. Est-ce qu'on est... un peu fifou. Non, si, tiens, ça me plaît bien. Allez, hop. Ça me plaît pas mal. On va
va se faire un petit triste pain de guerre là. Je t'attends. Il va y avoir de la baston là. Et puis. On est un peu fou. Ok. Partons là-dessus. J'ai peut-être un poil trop exposé mon triste pain. Hein, un tout petit peu. Mais c'est ça l'aventure aussi. Hein. Alors je prends le double ou pas? Alors en même temps c'est thématique avec le nom de l'émission. Moi ça me dérange pas dans l'absolu. Alors... Bah ça va, t'as le No Moon, j'ai même pas vu tu vois. Ouais ouais, je l'ai un petit peu boosté du coup. Bon la portée, vu que c'est des portées non modifiables, ça change pas grand chose, mais le PM, les PV en plus, on ne dit pas non. Ça passe plutôt bien en général. Bon on commence, Jack. Bon, là ça picote, hein, on va pas se le cacher. C'est bien, tu 3, c'est cool. Oui, c'est déjà pas mal. Pour un chevalier, franchement... Surtout qu'en plus, je crois que j'ai mis une armure à mon papa. Oui, j'ai mis une armure. Alors, si j'ai bien compris... C'est vrai. Test, hein. Ouais, vas-y, vas-y. En gros, c'est ça l'idée. C'est que tu claques... Ah, c'est bon, j'ai bien fait mon petit calcul. Bon, on va pas se mentir, ça picote un peu. Retombé, hein, le truc. On va éviter de trop s'exposer. Alors, si je fais... Ah non, ça va méchamment piquer, là, quand même. Ah oui! Oui, non, là, c'est pas très très gentil, hein. Pas comme ça dans la série, c'est bizarre, hein. Tu me diras, dans la série au début ils se font défoncer hein. Ah c'est vrai, ils se font tous emprisonnés dans la glace et tout. Et... Bon, t'es voilà, c'est triste pas. Triste pain, c'est celui qui retourne la situation normalement. Ouais. Il manque plus une figurine de triste pain dieu et puis on pourra équilibrer la chose hein. Alors, bon, techniquement il nous faudrait aussi Ellie et Flopin, mais bon. Oui, aussi. Par contre, non, ça, sérieusement, déconnez pas, Ankama. Vous nous faites des figurines d'Ellie et Flopin. C'est pas discutable. Hein. Bah surtout qu'on va les voir dans la saison 3. Bah normalement, ouais. Ah ouais, on les voit, hein, je crois, dans la bande-annonce. Oui, de toute façon, on les voit dans la bande-annonce, exact, ouais. Alors, tu m'as fait perdre un PA, ce qui m'arrange pas des masses. Hein. Mais j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, de toute façon, dans l'état où il est... Avec la portée que tu as, quitte à avoir un triste pain de guerre, autant partir sur le baroud d'honneur. Alors. Ah oui, ça, tu vois, ça je l'avais pas vu non plus. Alors... Ouais, ben ça c'est une que j'ai acheté en cachet et c'était plutôt. plutôt un bon pic. D'accord. Non. Alors. Voilà. Ensuite, je me dis que, quitte à. Quitte à perdre Pimpin, autant le perdre dans une belle action finale. Et te l'envoyer sur la tronche, ça me semble être une belle action de mort. Ah ouais, tu t'attaques à flamme là, d'accord. Ouais, bah en même temps, à 4 points de vie, ouais, bon. Ouais, c'est surtout que c'est un peu plus... Moi je suis courageux, je tape sur le plus faible. Hein, Alors, pendant ce temps-là, Ruel. Hein. Ruel, il va aller embêter le monde. Ouais, Ruel, c'est un peu un... Alors, qui enlève des PM, c'est pas... Non, c'est pas Edmond. Qui enlève des PM... Haute portée aussi. On va faire ça, on va partir sur le retrait de PM. Bon, ça fait pas de dégâts, c'est dommage. Ah oui, ça te rajoute aussi un PM. Ça. Par contre, ouais, c'est même pas du retrait, c'est du vol. Ok, et ah oui, oui, pour le coup, ouais. C'est assez sale. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal.
Alors, là, on va pas se le cacher, ça va tataner. Oh, comment c'est nul! Ah, j'y crois même pas. Mais Non, t'as pas combien de base? T'as pas 3, il a crit. Ah, mais oui, mais je suis bête, la résistance. Ah, je ah, suis trop bête. mais moi j'ai oublié. Ouais, c'est pas levé du Bon. bon pied. Je m'enfuis. Je tente. Ouais. Bah, c'était pas l'idée du siècle, en fait. Alors, est-ce que je prends le double? Au final, on va finir sur un double. Je voyais ça vachement plus épique comme dernier rush de Pimpin, et au fait, il a juste mis une pichenette, il a tenté de se barrer en scred par derrière, c'est minable. Oh là là. Mais ce sera. Moi j'ai pas pris le double hein, pour que ce soit quand même. Mais c'est pareil, du coup, j'ai pas fait de dégâts cruels parce que résistance, bah oui. C'est assez pénible la résistance des chevaliers quand même. Ouais, c'est chiant. Alors tu imagines le ténèbre qui sort le truc. Ouais, tu pourrais rajouter le ténèbre, ce serait un monstre. Et pour le coup, ouais, le ténèbre serait vraiment intéressant à jouer, genre avec des chevaliers level 2, tu vois. Tu pourrais dire ténèbre plus 3 chevaliers, tu peux te faire des configs sympas, au fait. Ouais, c'est clair. Bon, là, je crois que, ouais, le pimpin va pas faire le firo, hein. Ah, attends, en plus, il y a peut-être moyen que je te fie. Alors, moi, ce que je te conseille, là, c'est de faire 2 fusions. Même pas une fusion, ça suffit. Une petite fusion des Ouais, mais familles, et le puis on est bien. problème, c'est que je peux pas te toucher Tristepin et Hugo, tu vois. C'est pas grave, tant que tu fais la fusion, moi, ça me va. Ouais, une fusion, ouais. On part Je pour ça. tente! Je tente! Bon. Je m'y attendais un peu. Là, Me c'est laisse pas avoir pas aussi une facilement, grosse attends. surprise. Peut-être. D'ailleurs, le flamme, c'est la figurine qui a permis de faire le combo pété infini. Allez. Je l'ai plus en tête, mais. Oh bah tiens, hop. Ça sent la. Ah, ok. C'était pas du tout à ce à quoi je pensais, mais oui, effectivement. C'est pas dégueu. Ça fait toujours son petit effet. Hein. Alors, notre ami Goutte. Oh, tout de suite le soin. Oh, Suite 3 en hard. plus. Non, mais j'y crois Ah. pas. Attends. Oui, bah oui, soigne un en plus, déjà, il y Ah, a en deux de plus, base. et il a crit. Non, mais c'est bien, on n'est pas sur de l'abus. C'est. Voilà. Non, ça va, c'est équitable. Non mais je dis ça, mais en plus j'ai une chance de cocu sur la dernière partie que j'ai fait contre des gens, donc bon, on va pas se plaindre de la chance. Alors ça peut picoter un peu. Ouais, ça va, il tape du hand base. Ouais. Oui, enfin, ça fait 4 Moins quand de même, hein. PM. Là t'en as quand même un qui m'a mis 4, un qui a soigné à 3, un qui a mis 5, bon. Oh, ça va, c'est équitable. Je suis pas crédible quand je râle parce que j'ai la voix qui se barre en cacahuète, mais sinon, quand même, hein. Ah, c'est les chevaliers, hein. Tu m'as demandé de choisir, Ah écoute. ouais. Alors, on Alors, même va précis. opérer. Hop. On va faire ça et ça, par exemple. Alors. Je le sentais bien celui-là, franchement. Oui, bah tu m'étonnes. Ça a quand même piqué un peu. Bon. Oh, c'est ça que tu m'as tapé? C'est un. Ouais, la première a mis 2, la deuxième a mis 0. Donc bon. J'ai eu un vague espoir et puis bon, en fait, non. Ah, peut-être que tu vas réussir à me tuer un chevalier, hein? On sait pas. Hein. On laisse le suspense jusqu'à la fin quand même. Alors, là, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de claquer une TP. Ah, puis je t'ai enlevé 2 PM en plus. En fait, je t'ai enlevé 4 PM en tout parce que 2 PM à Hugo et Ouais. 2 PM à Will. C'est chiant. Du coup, on va essayer d'asticoter flamme un petit peu. Et on recommence. En fait, j'avais pas besoin de bouger parce que c'est du sans ligne de vue.
Du coup, c'est un peu D'accord, bête. ouais. Ouais. En plus, tu peux tirer derrière les obstacles en plus. Ouais. Non, en fait, il a des bonnes attaques, Ruel, quand même. Bah, après, c'est que. Il a que 8 points de vie en fait pour un C'est niveau ça. 3, c'est pas. Parce que le vol de PM sur du 1-5, bah tu peux prendre le risque de t'approcher pour taper, puisqu'au final t'auras les PM pour repartir, donc Après, peut-être que si tu le joues avec Kilby, tu vois, peut-être que. faut voir. Pour donner de la PO un peu à tout le monde, ça. Kilby Adamaï pour le mettre plus de points de vie à la rigueur. Ouais, à Même la pas rigueur, juste ouais. Adamaï, il suffit de mettre le point de vie au fait. Ouais, tu joues confrérie avec Adamaï, et puis. Ça pourrait marcher. Alors, bah, lui, il va rien pouvoir. Bon, bah, ça s'annonce quand même pas super super top de mon côté. Hein, Bah, tu résistes, quoi. Ah ouais, je résiste. J'ai pas T'es grand-chose bien, hein. d'autre, mais je résiste. Surtout que là, Bon, bon, allez. Moi, je suis un fou. c'est pas Je suis un comme si yop. un kill et tu l'as gagné. Hein, Oh, bah attends, Ah, par tout contre, peut il est changer. motivé, là, le feuille. Hein, non, c'est nuage, celui-là. Non, c'est nuage, ouais. Le feuille, c'est celui que t'as attaqué. Oh, attends. Juste 2 minutes. Pas de soucis. Ça me laisse le temps d'essayer de préparer une stratégie de contre absolument mémorable pour tenter de l'emporter alors que là quand même ça pue sérieusement les pieds. Là honnêtement, Puis attends, parce que je me suis mis dans le pétrin seul en fait. Si j'attaque. Ah oui. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. T'as un truc. Joli. C'est vrai qu'il est là depuis le début. Je me suis dit, il me faut des PM. Il, voilà. Chaud. Un tout petit point de vie, mais c'est suffisant. Non. Oh, celle-là, elle est Blague. merveilleuse. La blague, quand même. Oh, Non, mais non. le ruel indestructible. L'armure qui sert enfin à quelque chose. On dit que c'est pourri, mais c'est pas si pourri que ça. Alors, attends. Alors, là, au final, ça peut peut-être bien se passer. Il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte, qu'on meure pas ce tour-ci en tout cas. Peut-être, hein. Il a combien, Ruelier? Ouais, normalement on survit. Il armure bien, Papier Ruel, hein. Il est motivé là. Attends. Ah. Ça tape. Ah non, ça tape. Ah si, bah si, j'ai les PM. Ah non, j'ai pas les. Non, tu peux Oh. pas venir me taper au cac. Et... Ah si, bah si, je peux quand même te toucher. Tu peux me toucher à distance, ouais. Mais comme tu peux le balancer qu'une fois. Ah, et ça crit en plus. Donc ça fait un ruel à un point de vie. Mais en face, tu as un flamme à un point de vie. Les deux à un point de vie. Alors. Bon, je pense que c'est moi qui va décider le premier. Je pense que Pour le coup. je vais je vais venger Tristepin. Alors déjà, ça me semble être un bon plan de départ. Après, pour la suite, bon, on va voir, mais Et en plus, c'est Evangeline qui va. Mais non! Eva, voyons, c'est ton homme qui Chacun vient de son tour. mourir! Chacun son tour. Evangeline, il a tué Tristepin. Ah. Quand même, en plus, on m'appelle Tristepin, mais c'est pas grave. En fait, elle fait zéro bouclier et critique après, tu vois. Elle était pas C'est. Ah oui, très c'est moi. motivée, puis non, en fait, si, ça va. Dis, t'as peut-être raison en fait. Vas-y, je mets toutes mes forces maintenant. Alors, sur qui qu'on va taper maintenant? Bah le truc, c'est que Feuille, il est pas hyper bien en vie. Donc, sur un coup de chance, éventuellement. Ouais, c'est feuille. Ça peut se tenter. C'est pas garanti. Ah non, c'est même pas garanti du tout, au fait. Non, parce qu'il a une résistance, donc Ah ouais, non, mais Alors.
Hugo tape en neutre et puis j'aurais fait taper Ruel en no. Bah disons que là, si Ruel nous fait un full crit des familles, pourquoi pas? Ah non, même pas, parce qu'il peut taper qu'une fois. Non, avec son... L'appel fantôme. Ah bah oui, il a perdu des... Ouais, donc non, en fait, ça passe pas du tout. Ok. Bon bah oui j'avais pas vu qu'il avait perdu des PA. Oui bah alors là oui. Sur un full crit, oui bien sûr. Paye ton full crit, Ruel. Alors, Bon bah ça aurait été tenté, ça ne marche pas. qui c'est qu'on va tuer maintenant? Cet espoir de se dire, allez, deux figurines, 6 points de vie, on peut le faire, et en fait il n'y en a que deux qui sont passés. C'est un peu triste. Ça pourrait être cool pour récupérer ces petits points de vie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et puis en plus, je t'ai bien mis Hugo au corps à corps. Oui, bah oui, après c'est. Sinon, c'est pas marrant. Oui, bah non. Faut aller trop loin, tu vois, on peut pas Bon, s'amuser. là, Papy Ruel, je pense que c'est l'heure de la retraite. Hein, voilà. Une partie. Merci d'être venu. C'est pareil, il nous faut une figurine de Ruel en Forzerker. En fourreur là. Ouais, à fusionner avec Junior. Ça, ce serait tellement cool. Junior qui n'est plus très junior au final. Oui, non, il a grandi le petit, hein, c'est clair. Tu as tapé ton chevalier. Pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a pas fait de Excusez-moi. dégâts, mais pour le coup, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Moi, je dis ça. Après, D'accord. tu peux continuer à faire ça, hein. Moi, ça me dérange pas. Même vu la situation actuelle, ça m'arrangerait pas mal. On est le week-end. Faut On pas va faire dire gaffe. ça. Que je fasse ça en CDF. C'est ce Mais qu'il le faut se pire, c'est dire. que je crois que j'ai fait exactement la même dans le dernier versus, au fait, je tapais un de mes gars. Ça arrive, hein. Le C'est couleur. fortement possible. Ce qui serait même carrément cool. Ah, ça picote. Ah oui, ça tue carrément. Bah, c'est gagné. Bah bravo! J'ai fait n'importe quoi. Je Oui, suis bah. quand même très déçu par le pimpin que j'envoyais pour la charge finale et qui a juste mis deux pauvres dégâts en mode oups, j'ai trébuché quoi. C'est la Ah tristesse non, du pimpin. il a trop avancé au début en fait. Ouais, C'est non ça mais qui a fait. c'est clairement. Mais au fait, j'étais Alors, trop gourmand avec l'achat de Kama et l'achat de la RD et j'ai pas fait gaffe et pour moi, je comptais me balancer derrière l'arbre en fait. Pour m'abriter un pourquoi? peu et te forcer à avancer un peu plus. Mais ouais, triste pain, je vais quand même enlever 10 PV en un tour. Ouais. Ah bah il a douillé. Hein. Il a pris 2 tours en fait. Le Moon, il était là à côté, il transpirait. Hein. Il s'est dit c'est pas une bonne journée. J'aurais dû aller chez quelqu'un d'autre. Non mais ouais, pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui serait vraiment cool, c'est une figurine de Junior, une figurine de Ruel. Hein. Genre tu sais, deux level 3. Et en pleine partie, tu peux les fusionner pour faire ton level 6, tu vois. En Je sais termes qu'à un de. moment, En termes il de game design, je pense que c'est juste infâme. Ça n'existera pas. Mais rien que pour le kiff, j'aimerais beaucoup. Ils avaient fait un pack, je sais pas si t'as vu, il y a une photo qui circule. Oui, pour le 1er avril. Où t'avais le Ouais. Forzerker, le Pom-Pom vieux, le. Qu'est-ce que c'est? Le Et Ruel jeune, je crois. ouais, il y avait plein de La trucs. Rockstar, enfin, il s'était lâché hein, très clairement sur ce coup-là. Et le Ah, pire, ça c'est que aurait moi, été. j'aimerais beaucoup avoir un pack comme ça en plus. Ce serait trop bien. Puis avec Adamaï aussi, hein. Franchement, Adamaï avec toutes ses formes et Ah tout. derrière, il y aurait tellement moyen aussi, ce serait vraiment cool. Bah, ils ont du choix, hein, parce qu'ils pourraient se Ouais, lancer. très clairement. Bah écoute, merci pour cette partie. Bah, merci à Et toi. puis on se retrouvera pour une autre partie sur un autre concept, j'en suis sûr, d'ici quelques temps en tout cas, si tu veux bien revenir me mettre des pâtés, moi ça me Oh, dérange je sais pas, pas. je sais pas. Ouais, bah. Allez bah écoute, merci d'avoir écoutez vous qui me regardez là, merci d'avoir regardé, merci à toi Zacho pour cette partie, et je vous dis à la prochaine, c'était Denote, bye bye.